Good morning, Alei, tu seras aujourd'hui le Nishmat Yaakov ben Aisha, Avraham Mordechai ben Yitzhak ben Fanny, David ben Tzurton Zal Fritna, et Dvorah bat Esther. Si vous souhaitez vous aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sefer Nedarim, Perek Aleph Mishnah Bet. Ha Omer la Chavero Kunam Kunar Kunas Are Elu Kinuim Le Korban. Cherek Cherech Cheref Are Elu Kinuim Le Cherem. Nazik Nosiach Paziach, Arelo Kinuim, Lenezirut. Shvuta Shkuka, Nadar Bamuta, Arelo Kinuim, Lishvua. Une Mishnah qu'on a introduit le principe dans la Mishnah précédente. Je vous ai déjà averti, prévenu, que les premières Mishnah de Maseret Nedarim présentent une certaine monotonie, comme ça un peu. On a du mal à comprendre qu'est-ce qu'on cherche. Le principe est fondé sur un principe, on va à Bezrat Hashem, d'ici encore peut-être 5-6 Mishnayot, tout deviendra beaucoup plus facile et vivant, on va dire. Le principe, d'abord, c'est de savoir comment prononcer un neder. Il y a une règle de base, Ish kefle lindor neder nazir, ou bien c'est une règle dans tout, le mot afla'a, qu'on écrit qui afle, l'afli, c'est-à-dire qu'il exprime clairement. Il y a une règle, si je veux m'interdire une chose, je veux ne pas manger de viande aujourd'hui. Je veux interdire toute la viande sur moi par les sourds nedarim. C'est le sujet de notre Mishnah, on va commencer un neder. Ouais, je veux pas manger de viande aujourd'hui. Il faut que j'interdise la viande avec une formule agréée par la Torah. D'accord? C'est-à-dire, si jamais je vais me dire... la viande, je considère la viande comme du cochon aujourd'hui. Alors, c'est pas, ça veut dire quoi? Ça marche pas. Il y a plusieurs raisons pourquoi ça marche pas, on aura l'occasion de découvrir, surtout dans la prochaine Mishnah en réalité. Ça marche pas, il faut que tu prononces un interdit clair, clairement. C'est-à-dire quoi dire la viande comme du cochon? Ça signifie quoi que la viande elle est rose, elle est quoi? Que tu t'interdis comme du cochon? Ah, c'est pas assez clair comme histoire. Il y a encore un autre problème beaucoup plus essentiel qu'on verra plutôt dans la prochaine Mishnah. Donc, du coup, t'as pas dit une formule, parce que ça ne suffit pas de vouloir interdire des choses, il faut aussi le dire clairement. Maintenant, du coup, puisqu'on s'intéresse à dire clairement, alors on va s'intéresser à une question essentielle, qu'est-ce qu'on appelle un langage? Si on a des codes de société, je ne sais pas, moi en France, dans les banlieues, on n'est pas capable de parler en verlan, comme ça c'était il y a plus de 20 ans quand j'ai quitté la France, peut-être qu'aujourd'hui on reparle à l'endroit, parce qu'il faut parler le verlan de l'envers, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il y a tout un jargon, en fait. Est-ce qu'il est agréé? Est-ce qu'il est toléré? Cautionné? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça engage de dire ça? Imaginez toutes sortes d'expressions avec lesquelles les gens jurent. Et il y en a, d'accord? Il y a chez les commerçants, on jure. C'était fréquent à l'époque. On jurait pour s'engager à faire des choses. On expliquait dans la chaîne précédente qu'il ne fallait pas le faire. Mais en tout cas, concrètement, on jure pour se promettre des choses. Alors si on utilise des termes comme ça... Avec le temps, vous savez comment ça se passe. On dit un mot, puis après on déforme, puis après on déforme, on se retrouve avec des mots tout bizarres, qui initialement, si on retrouvait la chaîne à partir duquel le mot initial, il a fait aboutir à ce nouveau mot, on le retrouverait. Est-ce que ça prend un statut de mot? Parce que si c'est pas un mot cautionné, alors qu'est-ce qu'il faut cautionner pour cautionner un mot? C'est quoi? Qu'il soit admis dans le Larousse, dans le petit Robert? Ou bien, qu'est-ce que... Alors, il y a des règles. C'est la problématique qu'on a dans la première partie de Nedarim. Le bon langage à faire. Mieux que ça, même je vais rajouter encore, Ramim avait un intérêt à ce que les gens ne disent pas le mot Neder. Parce que le mot Neder dans la Torah, il écrit Neder l'Hachem. Et pour que les gens évitent de prononcer le Shem Hachem, alors eux-mêmes, Ramim, ont parfois poussé à admettre, à cautionner d'autres termes pour définir le Neder. Comme ça fait que les gens, ils n'ont pas ce réflexe de dire qu'ils disent Neder, ils disent Neder l'Hachem, comme ça, ils ne prononcent pas le Shem Hachem. Alors que ça fonctionne aussi comme le Nederim. C'est un autre avis en fait, c'est quoi les kinouim? Tout ça c'est ce qu'on appelle les kinouim. Les chanot, quelqu'un, c'est mechane shem bechavero. C'est quelqu'un qui a un kinouï, c'est quelqu'un qui a un petit surnom. C'est surnommer les choses. D'accord? C'est ce qu'on appelle les kinouyé nedarim. Alors là on va découvrir maintenant quels sont les mots qu'on admet. Et donc du coup, on va partir avec konam, c'est le premier terme initial. Je traduis le mot. Aomer la chavero, celui qui est son ami, konam. Konach, Kunas, ce sont des termes, selon les langues de l'époque, que les Kunamot, c'est plus fréquent. Ah, entre parenthèses,
comment on dit dans Kalnidre? Kalnidre, ou Jvoé, Vekuname, Konam, Vekunache, Vekunase. C'est des termes là, vous les voyez? C'est tout ça, c'est des termes de on prononce les nédarim qu'on a prononcés de toute forme de toutes sortes d'expressions, d'accord? En tout cas, la Mishnah nous dit tous ces termes-là ont un statut de Haré-Elou, Haré-Elou, Kinouim, les Korban. Leur, initialement, ce sont des Kinouim pour définir un Korban. Soit, ça fait entendre dans une autre notion, mais que je ne vais pas la développer trop tout de suite, mais plutôt dans la prochaine Mishnah, mais qu'on avait expliqué que pour pouvoir prononcer un Neder, on a aussi une autre solution. Même mieux que ça, c'est la solution la plus complète. C'est de comparer l'interdit qu'on va interdire à un korban. C'est-à-dire que la viande que je vous ai dit qu'aujourd'hui je ne vais pas manger de viande, il faut que je prononce un néder en disant, je peux prononcer un néder en disant, la viande est comme du bassar khatat. La viande c'est comme du khatat aujourd'hui. Dire une phrase pareille, ça engage à, au néder, tu as prononcé un korban en lui donnant ton matpis bedavar kadosh. Tu l'as recopié, tu as pris la kdusha qui était dans les coutumes, tu l'as dit que tu veux l'appliquer aussi sur la viande aujourd'hui, la viande elle est interdite par l'apparition de Neder. Et donc, tous les mots qu'on a utilisés maintenant, kunam, kunar, kunas, ce sont des termes de kinouï, de surnom pour les korbanot. Ok? En deux mots, si je veux dire que maintenant, la viande sera pour moi comme un sacrifice aujourd'hui, je le dis en français, eh ben, comme une holocauste, eh ben ça engage, ça y est. La viande t'est interdite par l'apparition de Neder si tu la manges. On frappe, on donne les 39 coups et tout ça, il faut faire attraper derrière. Maintenant, à part ça, il faut bien préciser, parmi les différents interdits qu'on peut s'interdire par la parole, il y a ce qu'on appelle les nedarim, il y a les jvuot, il y a les haramim, et les korbanot, et il y a même la nezirut aussi. Tout ça, ce sont des. C'est des. Toutes sortes de choses qu'on va interdire grâce à cause de ça, parce qu'on a prononcé quelque chose, on se l'interdit. Il y a une différence entre un éder et une chevoua. Et les haramot, c'est, entre parenthèses aussi, de nouveau, regardez dans le cas de Nidran, on dit va haramé. On parle du kherem. C'est quoi un kherem? Ça veut dire que cette fois-ci, on veut s'interdire que personne ne puisse en tirer profit. On l'a rendu kherem, par là, on le donne au Beth Amikdash, on peut le donner. On découvrira tout ça, d'accord, mais le principe, il est que il y a toutes sortes d'interdits plusieurs sortes d'interdits qui s'appliquent parce qu'on les a prononcés. Neder, Jevoua et Kherem, ainsi que Nezirut, et Korban, ça va ensemble, parce que Neder et Korban, ça va ensemble. Donc, du coup, la Mishnah va me dire, ben, tu sais, tout cet emblème, on le cautionne. Les trois premiers, Kunam, Kunar, Kunas, ce sont des termes cautionnés pour le korban, et donc par là on va prononcer un éder. Et si à la place de dire cherem, t'as dit ce sera un cherek, cherech, cheref, arelokinoim le cherem, nazik, naziach, paziach, arelokinoim le nazirut, ces termes-là, ça ressemble au mot nazir initialement, regardez, nazir, nazik, ou bien nazir, naziach, ou encore paziach, cette fois-ci ça ressemble à nazir, c'est des termes de l'époque. Et bien dans ce cas-là, arelokinoim le nazirut, ce seront des termes cautionnés pour prendre sur soi une nésiroute. Et s'il a dit Shvuta, Shkuka, Nedar, Nadar, Bemota, s'il a dit le terme Shvuta, au lieu de Shvua, juré, sincèrement, Shkuka. Alors c'est quoi la Shkuka? C'est pas la Shakshuka. Shkuka, c'est encore un autre terme, ok? À Nadar, Bemota. Il a fait un vœu en prononçant Bemota. C'est quoi Mota? Bemet, si vous regardez dans le Targum, dans la Torah, on parle momata. En araméen, on appelle la joie comme une momata. Donc tout ça, arelo kinuim, le chevoix, ce sont des kinuim avec lesquels s'appliquera sur lui le devoir de respecter son serment. Il a juré, il s'interdit par la loi des chevoux, cette fois-ci, pas des nénérim. D'accord? Vous avez compris l'idée, c'est l'essentiel. Les termes, est-ce qu'ils sont encore d'application aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, on élargit le tir aujourd'hui, parce que si il y a un terme qu'on va exprimer, par lequel on exprime comme ça un néder, imaginez. Peu importe, imaginez quelque chose de sérieux, d'accord? Je ne parle pas de tous ceux qui disent sur leur Torah, la vie de ma mère. Je parle de celui qui parle de manière clairement. Et je sais pas moi, toutes sortes de prenez de chez les goyim, s'il y a quelque chose comme ça avec lequel on s'engage en jurant, ouais,
Et bien dans ce cas-là, celui qui prononce un terme pareil, il s'engage pendant le Nedarim parce que ça prend un statut de kinouï comme ce qu'on apprend dans notre Mishnah, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.